Salut, je suis très triste, je suis indignée, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que l'esclavagisme au XXIe siècle, on ne peut pas s'imaginer. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Quel patrimoine nous allons laisser à nos enfants si nous ne nous levons pas pour faire quelque chose maintenant? Je crois que l'esclavagisme va renaître avec nos enfants qui allons subir. Il est temps d'en parler, il est temps de mettre fin. Vous avez entendu le message d'Alpha Blondy? Il a dit, tous ceux qui ont leur enfant dans cette direction assiègent les ambassades de la Libye dans leur pays respectif. Moi, je dirais ceci pour compléter à ce que mon papa a dit, à chacun son Libyen. Ce n'est pas pour une incitation à la haine. Ce qu'ils font, ce n'est pas de la haine, ça. Le peuple noir est trop tolérant. Le peuple noir accepte tout parce que nous avons la crainte de Dieu. Et chez nous, on dit chaque fois, il faut laisser à cause de demain. On ne va plus laisser. Nos enfants sont maltraités, nos frères sont maltraités. Et avec ça, ils ont encore peur de sortir pour signaler. Vous qui avez vos enfants qui ont pris cette direction de la Libye, signalez au niveau des ministères des Affaires étrangères que votre fils ou votre fille est là-bas. Il faut signaler, oh, parce que trop, c'est trop. Vraiment, ce n'est pas. J'ai mal. J'ai vraiment mal. De voir mon frère sortir d'un camion et qu'on le marchande. Comme si on marchandait Kunta Kinte. Comme si on marchandait moi-même. J'ai vraiment mal. Vous, les chefs d'État africains, vous, ces marionnettes. Ces marionnettes bidons. Ceux qui font les commentaires pour dire est-ce qu'on les a envoyés là. Tant qu'il y aura ces guerres en Afrique, il y aura toujours ce flot en abondance des jeunes vers l'Occident. Tant qu'il y aura cette misère en Afrique, il y aura toujours ce flot de migration en Europe. Il faut que ces guerres cessent. Il faut que la misère cesse. Nous ne sommes pas nombreux, mais notre pétrole, notre diamant, notre or, l'uranium qu'on enlève pour envoyer ailleurs, c'est ce qui nous appauvrit. S'il vous plaît. Que chacun se lève et chacun fasse un mot. Vous les joueurs, vous les artistes, tout le monde écoute, tout le monde vous écoute. Vous êtes des flambeaux, vous êtes des porteurs de messages. Parlez, dites quelque chose. Posez des actes forts. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui ont des enfants dans ce pays. Nous prions pour vous, nous prions pour eux. Mais que ça cesse. Non à la violence, mais que ça cesse.